Iemoutep Ankoudja Senebneb Touawantia. Bienvenue dans le Père Ankemteouti, l'Académie de la culture noire Kemeti. Aujourd'hui, vous êtes avec votre Baneb Et, Ka Nefera Koutinetcher. Et aujourd'hui, encore une fois, je vais vous montrer comment faire si vous avez oublié votre mot de passe pour avoir accès à l'Académie. Eh bien, l'Académie de la culture noire est l'Académie où vous pouvez avoir tous vos cours Kemeti absolument gratuits. Et alors, c'est une possibilité pour nous tous de nous joindre et aussi d'être en mesure d'avoir toutes ces informations-là. Alors, admettons que vous entrez dans l'Académie et vous ne savez pas exactement où trouver votre cours. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Comme vous voyez ici, moi, j'ai déjà l'accès pour l'académie que j'ai enregistré sur ma page, mais admettons que je ne l'avais pas fait. Alors, qu'est-ce que j'allais faire? J'allais entrer dans mon adresse email. Ça, c'est mon adresse email. Alors, je vais regarder pour voir le cours. Alors, comme je viens de m'enregistrer, eh bien, mon cours, c'est déjà là. Alors, si je ne suis pas en mesure de le trouver, je peux mettre AKN, par exemple, dans les recherches et boum, je retrouve l'AKN. Alors, l'AKN, elle est là. Alors, on va entrer dans le cours. Alors, je clique accès sur le cours et ça me remet dans ce cours. Mais je dois faire un login. Alors, je viens pour faire un login et voilà, il y a mon mot de passe qui est déjà enregistré. Mais admettons que je ne me rappelle pas du mot de passe, je fais login. Alors, il me dit non, il y a invalide email or password qui veut dire soit l'email ou le mot de passe est invalide. Alors, je vais essayer encore une autre combinaison pour voir. Et boum, je ne me rappelle pas du tout de mon mot de passe. Alors, qu'est-ce que je fais? Il y a cette option ici qui est plus basse. Alors, je vais même essayer de magnifier un peu pour qu'on puisse vraiment être en mesure de voir ça de manière claire. Alors, ici, on a login. Et on voit que toutes les options étaient pas possibles. Et alors, qu'est-ce que je dois faire? Je vais cliquer sur l'option Forgot Password, qui veut dire que j'ai oublié mon mot de passe, malheureusement. Alors là, qu'est-ce que je dois faire? Je dois mettre mon adresse email. Donc, je mets l'adresse email que j'ai. Ça peut être un Gmail ou peu importe. Mais ça, c'est juste l'adresse que j'ai pris pour faire la démonstration, parce que toutes mes autres adresses email, j'avais déjà utilisées avec l'Académie. Donc, je vais envoyer les instructions pour m'aider à débloquer mon compte, malheureusement. Voilà. Alors, on me dit, You will receive an email with instructions on how to reset your password in a few minutes. Ce qui veut dire, vous allez recevoir un email avec des instructions pour savoir comment faire un reset de votre mot de passe dans quelques minutes. Alors, là, je ne vais rien faire parce que j'ai déjà envoyé. Je vais aller dans mon adresse email. Encore une fois, je peux aussi mettre AKN et voilà, j'ai l'information sur le mot de passe pour faire un reset. Alors, ça, c'est l'email que je reçois. Alors, je vais faire allow pour avoir plus d'informations. Alors, on me dit Hello, Dim. Someone has requested a link to change your password at Culture Noire Academy. You can do this through the link. Ça veut dire, quelqu'un a demandé qu'on puisse changer votre mot de passe. Alors, on dit que si ce n'est pas vous qui avez fait cette requête, ignorez-la et mettez votre mot de passe, il n'y a pas de problème. Alors, votre mot de passe ne va pas changer si vous ne cliquez pas sur ce lien. Admettons que vous vous rappelez du mot de passe, une fois que vous avez fait cette requête, ne paniquez pas, c'est pas grave, il faut juste ignorer la requête, laisser quelque temps passer et essayer de reconnecter sur le site. Mais moi, j'ai vraiment oublié mon mot de passe, alors je vais cliquer sur le lien pour faire changer le mot de passe. Alors, je dois mettre un nouveau mot de passe. Maintenant, cette fois-ci, pour mettre un mot de passe, c'est vraiment très simple de mettre un mot de passe que soit vous pouvez écrire quelque part de sécure, ou un mot de passe qui a une importance avec vous, quelque chose de ne pas très compliqué. N'essayez pas d'être inspiré par quelque chose que vous avez devant vous, qui ne sera pas devant vous la prochaine fois que vous allez essayer d'entrer dans votre cours. Alors, pour moi, je vais essayer de mettre un mot de passe qui est très particulier pour m'aider à facilement me reconnecter. Alors, je vais penser pendant un instant et je vais écrire un mot de passe. Cette fois-ci, je ne vais pas vous dire le mot de passe que j'utilise. Alors, en général, pour avoir un mot de passe, il va soit vous demander d'écrire avec des chiffres. Donc, je vais essayer d'écrire un mot de passe qui est que des lettres sans pour autant utiliser soit une majuscule ou soit un chiffre. Alors, on va essayer. Voilà, donc j'ai pas mis un chiffre ou une lettre.
Et voilà, ça c'est fait. Donc, mon mot de passe est un mot de passe tellement très simple, je dirais, parce que j'ai utilisé que des lettres, j'ai pas utilisé des majuscules, j'ai pas utilisé des caractères spéciaux ou quoi que ce soit. Et c'est tellement très simple. Et voilà, comme moi j'enregistre mon mot de passe, je fais update password. Et cette fois-ci, j'ai un mot de passe que je peux utiliser quand je veux faire les tests ou quand je veux me reconnecter dans l'académie. Et donc, voilà. Voilà pour vous, voilà ce que j'allais faire aujourd'hui. Cette vidéo, elle est très simple parce que c'est vraiment une vidéo pour que je vous puissiez vous reconnecter. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si vous allez faire un logout, la prochaine fois que vous voulez vous reconnecter dans l'académie, eh bien, n'utilisez pas l'ancien mot de passe que vous avez utilisé la dernière fois. Je vais utiliser le nouveau mot de passe que j'ai mis pour être sûr que je peux avoir accès dans l'académie. Si j'utilise l'ancien mot de passe, ça va me bloquer. Avec le nouveau mot de passe, je pourrais être en mesure de me reconnecter. Alors, la seule chose, c'est qu'en étant admin, on n'est pas en mesure de canceller votre mot de passe, mais la seule chose qu'on peut faire, c'est que si vous nous demandez de l'aide, alors on peut vous aider à déconnecter ou à connecter, à déclencher, je voulais dire, cet email qui va vous envoyer avec le lien que vous devez cliquer pour changer votre mot de passe. Alors voilà les informations qui sont disponibles pour tout le monde. Alors je vous remercie pour avoir suivi comment on a fait pour changer le mot de passe. Et ensuite, on va aller dans la prochaine vidéo pour retrouver l'académie si on ne sait pas comment se reconnecter sur l'académie. Donc, do one et cher.